J'oublie d'enregistrer, sinon Shigan va me taper dessus. Oh là là, ouais, pas est-ce frappé que. par Shigan. Ouais, enfin. Quelle tristesse. La vie qu'à être dispo. Oui, je suis là pour mal parler de Shigan. Mais c'est un peu mon rôle. Alors, en espérant que le stream de Moucheron soit pas en PLS. Thanks for the follow, HFR, enfin, Rolf. Et donc, qui va se qualifier pour affronter Ren Mercury? Honnêtement, c'est pas un cadeau! Pingouin, pingouin, pas pingouin, mais Moucheron s'amuse. T'as raison. Ah oui, ah bah ça va bientôt commencer. Ça va, c'est un bon starter. Le Polyphème, là, il s'est mis Polyphème Death, c'est bien. Hein. Ah, Polyphemus, c'est le meilleur starter selon moi avec Forgotten. C'est fabuleux. Et oui. Ipecac, c'est faux. Ah, Ipecac, j'ai pas encore trop de tests avec Forgotten. Pas un perso que je maîtrise particulièrement, c'est pour ça que j'ai pas gagné 3-1 contre Death. Et c'est parti pour la valse des resets. J'espère que le stream de Moucheron sera de bonne qualité. Par contre, le Incubus ouais, avec Forgotten, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Oh, ah, la Crone, par contre, ça se prenait. Non, avec les. Non, avec les Bonnards, ça c'est pas une bonne idée, ouais. Tech 5, par contre, je sais pas. Ça teste les trucs. Ça teste des choses. Voilà, alors est-ce que vous pensez. Bon, Mouche, knife. Il a. Knife. Oh là là, Knife. Mouche, il a déjà dû traficoter un petit peu avec Forgotten, non? Oui, bah. Oui, il connaît bien les. De toute façon, Moucheron a fait. Oui, en fait, il a fait un petit jet doc avec la liste de tous les starters pour tous les persos. Ah! Ouais. Il est précieux, notre Moucheron, mine de rien. Et oui. Et on a un Knife contre un 20 sur 20. Écoute, avantage Knife plutôt. Oui, hein. Oui, là, avantage Knife, ça bien d'accord. On va pas se mentir, hein. Non, mais tu vois, on pourrait dire que, mais non. En plus avec le... ça fait un joli petit design. Oui. Ça fait une faux. Je trouve que c'est sympathique, ouais. Mmh. Ouais. Ça fait un truc cool. Après, je connais pas le niveau d'anti avec Forgotten, mais bon. C'est anti, hein. C'est anti, voilà. C'est ce que je dire. C'est anti. Hein. Même s'il est pas habitué au personnage, je me fais pas trop de soucis pour lui, tu vois. Ouais. Comme Red qui, vu après son match, il a dit oui, c'est la première fois que je jouais. Non, Red par contre, c'est du troll. Par contre, il va pas chercher les bombes. Alors qu'il peut, il vole. Mais oui, mais est-ce qu'il sait qu'il peut? Oui, il sait. Je pense qu'il a dû oublier. Voilà. Il change de. Ouais, c'est ça, il a pas dû jouer beaucoup quand même. Je pense que. Ouais. Oh alors. Oh, il sait pas qu'il peut le prendre là par exemple. Ah oui, il hésite. Ah non. Il faut qu'il se suicide en. Oui, il est deg. Il faut qu'il se suicide. Ah non, mais même en suicidant, il peut pas. Allez, il pourra pas l'acheter. Faut qu'il meure. Ouais, non, il pourra pas. Non, par contre, il va prendre. Oh, par contre, le mot chez Moucheron. Sympa. En fait, si ça se trouve. Anti, il hésitait à. Est-ce qu'il prend un Brim Knife ou est-ce qu'il se suicide en Judas Shadow? Ouais, je pense que c'était plus ça du.
Ouais, mais ouais. Je crois que vu le peu d'habitude qu'il a l'air d'avoir du personnage, il a dû être content de voir Shadow quand même. Je pense. Parce que là, Shadow Knife, il a tous les dégâts dont il a véritablement besoin avec un knife. Et c'est anti quoi. Donc là, maintenant qu'il est avec un perso qu'il connaît mieux. Oui, à qui ne connaît pas Judas Shadow aussi. Ça va être compliqué. Non, mais voilà, mais Judas, un personnage classique, on a l'habitude de le jouer quoi. Oui. Alors que Forgotten, il a des techniques et des mécaniques de jeu un petit peu particulières. Voilà. Après, connaissant Moucheron, je sais qu'il va pouvoir faire quelque chose. En fait, il faut juste qu'il ne foute pas la pression, Moucheron. C'est ça. Demi-cœur pour Anti. Ah, Squeezie. Ah oui, quand même. Oui, bon, le Oui. Juste à temps. Et oui. Moucheron, je pense que ouais, j'ai pas peur pour lui parce que je le vois bien jouer, bien manier sur Forgotten, changer, switcher de temps en temps quand il faut. Mm. Ouais. C'est bien fait. Et puis bon, ça, il a un mot. Oh, le connaissant, il a fait des test runs X pour voir qu'est-ce qui allait bien avec le personnage, etc. Il a fait ses devoirs, comme on dit. Il a fait ses devoirs, exactement. Je pense qu'il connaît le personnage. Ah, par contre, Anti qui skip un étage. Bon. On va dire que bon, il avait déjà un peu d'avance. Oui. Oui, bah juste un petit peu. Moucheron qui est plutôt bien quand même, il a un bon build, mais là. Ouais, non mais face à un knife, c'est. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça là, il bombe. Ah, par contre, son étage est ultra long. Mais c'est caves quoi. Isaac, s'il te plaît, c'est caves. C'est plus ce que pas... c'était le jeu. Hein. Ouais, c'est voilà. Pas. Ah non, ça, il a changé, il a changé. Il est obligé de prendre le Blood Clot par contre. Ouais, il a tellement rush qu'il a oublié de farm son dé. Ouais. Ah, bomber les portes, c'est bien, hein, mais ouais. C'est sûrement celui qui connaît le mieux Forgotten. Alors, connaître ne veut pas dire connaître. Là, bien sûr, ma phrase, elle veut rien dire. non, mais... Je pense savoir ce que tu veux dire. Je pense que tu veux dire que c'est... En fait, ce que Holo voulait dire, c'est dans la théorie, Moucheron était celui qui connaît le mieux Forgotten. Par contre, dans la pratique, il est contre Anti. Bah, dans la pratique, il est contre Anti, non, mais même le speedrun fonctionne beaucoup avec la mémoire musculaire. Et pour avoir vraiment l'impression de, entre guillemets, connaître de façon musculaire, de façon instinctive un personnage, il faut l'avoir runné un certain nombre de fois. Forgotten, c'était pas forcément un personnage qu'on a envie de runner un certain nombre de fois, à moins de faire de la S15, Le R+15. Du R+15 Vanilla, quoi. Et je sais pas si Moucheron a effectivement runné du R+15. Non, par contre, il va prendre l'appel. Oui. C'est bien. Moucheron ne m'a pas envoyé chier, déjà pour le pic de Forgotten. Donc ça le dérange pas. Non, mais ça m'aurait étonné que ça le dérange. Je pense qu'il a run le personnage et qu'il le connaît. Et qu'il le connaît, mais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse dans ses muscles et dans ses tripes, en fait. Ah oui. C'est un personnage qui est tout simplement beaucoup trop récent. Par contre, la Et je trouve qu'il se voilà, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme il change bien, etc., le perso, c'est ça qui est là, il permet aussi de voler, de skipper certaines salles plus vite, etc. Ouais. Il le fait bien. Là, il peut plus. Ah si, j'avais pas vu le cœur noir. Si, il peut, ouais. J'avais pas vu le cœur noir. En fait, c'est juste à cause de. Bah, vu que c'est un cœur noir, que c'était un peu. Faut qu'on ait Hades. Deps, c'était bien, c'est ça? Oui, oui. Oui, moi, mon anglais. Non, mais te corrige pas quand t'es correct. Désolé. Pauvre cahier. Oh, ça le prend bien. Alors, qu'est-ce qu'on a chez... Ah, Moucheron qui prend le Dark Matter. Oui, ouais. Oui, je sais pourquoi. Est-ce qu'en fait, il peut pas proc son World of Babylon parce qu'il a des cœurs rouges? Eh ben oui. Ouais, mais est-ce que ça valait le coup de prendre carrément...
Chairshot. Bah, ah, c'est un damage up. Ouais, pour le dégât, mais comme il a plus son fantôme, honnêtement, je pense que là, le fantôme avec le Maw of the Void est mieux parce que ça lui permet de tirer en même temps. Contrairement au Maw de son corps. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, regarde. Ouais, mais regarde, il a récupéré ouais. son. Ah, par contre, j'adore le petit coup d'eau, ce qui te permet de récupérer le cœur. Ouais. Ah, ça, c'est une mécanique de jeu qui est excellente. Ce personnage, il a des mécaniques qui sont excellentes. Alors, par contre, le mapping, voilà. Et merci, ouais. Ced, pour le host. Ouais, ça, que je suis assez d'accord avec toi. C'est fort pour certaines choses. Il y a des trucs auxquels on doit s'habituer, mais qui sont quand même bien forts. Genre, par exemple, la salle qui a fait moucheron, là, avec le mot. Oh, mais genre, quoi. Ah, c'était beau. C'est beau, ouais, c'est fort. C'est beau et c'est fort. Mais bon, voilà, faut avoir ce genre de réflexe. Et effectivement, Moucheron, il maîtrise bien les choses. Hein, mais je pense que pour le moment, il n'y a personne qui a assez joué le personnage pour qu'on ait vraiment une mémoire musculaire des choses, quoi. Mm. Ça prendra encore certainement quelques mois. Ah. Dommage le Krampus chez Moucheron. Il lui fait perdre du temps. Ah. Mais surtout qu'il était pas loin. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, Pauvre Call, non. Et ouais, non, le Pauvre Call, là, ça peut pas lui servir à grand chose, non. Ah, il a quand même quelques bombes. Oui. Donc, ça va lui faire plaisir. Voilà, il pose ses bombes et il bouge même pas, quoi. Genre, il bouge que son fantôme. Ah, oui, c'est normal. Bah, ouais. Parce que, c'est rigolo. Parce qu'en fait, c'est que dans les salles où il a bombé, c'est des salles où en fait. Ah, dommage, là, pour la touche. Mais le troll. Honnêtement, est-ce que moi j'irais pas voir la bibliothèque? La bibliothèque. Ouais, il y avait une petite bibliothèque. Tenter le mapping à la fin, ouais. Ouais. Bah là, en plus, Antique est déjà à 100 chest. Le problème, c'est que son build est vraiment léger. Il a plus beaucoup de vie, son build est léger, non là, il rush parce qu'il sait qu'il est contre anti et donc il rush. Mais le jeu lui a tout simplement pas donné suffisamment de munitions pour rattraper un knife, quoi. Il a 16 de dégâts anti. Hein. Ouais, il s'est super bien défendu, voilà, ça c'est sûr. Et anti qui s'est quand même pas mal troll par son mapping, donc peut-être une chance pour Moucheron, mais Moucheron aussi. Ouais, non, mais voilà, le problème, c'est qu'ils se font troller tous les deux. Ah, Moucheron a fait la connerie de pas se mettre en fantôme. Ouais, avec un seul cœur. Mais même, je sais pas s'il se serait pas fait toucher quand même, hein, parce que il serait fait toucher, oui, mais il serait pas mort. Et bon. Il serait pas mort, ouais. Bon. Il s'est un peu fait gangouan quand même. Ouais. Oui, là, il était bloqué dans tous les sens. 1-0 pour Anti. Yeah, that's a bullshit cathedral, that's true, n'est-ce pas? That was a bad floor. Allez, deuxième perso. Apollyon. Ce sera un petit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Apollyon Magic Mush. Ok. On va voir s'ils vont veto le Magic Mush. Oh bah pas de veto de Magic Mush. Oh parfait. Ce qui est compréhensible parce que pour se retrouver avec un truc genre un Fireman 13 de luck, ils ont pas envie de l'avoir. Voire même Kamikaze Host Hat qui est pas forcément le plus worse en race. Et en plus c'est pas agréable à jouer. Ouais, ça c'est vrai. À moins de trouver direct des trucs dans les premiers Devil Deal, mais sinon c'est un peu.
Yeah, future is the last race. Pas que. Ça doit être. Allô? Je vous ai perdu. Oui, non, mais non. Alors, en fait, non, on te laissait te démerder tout seul parce que t'avais l'air de bien t'en sortir. En fait, moi, je lisais tout le spam qu'il y avait sur la toupe FR. C'est ça, pareil. Sauf que moi, ça fait une heure que je l'ai pas lu. C'est pour ça. Yes, future final bracket after this race. Yeah. Oh, je crois qu'il vole le dommage up. Mais ouais. C'est du coup un plus gros dommage up. Bah, c'est vrai après que Jesus Juice, c'est pas un super super gros damage up. C'est 0,4 je crois ou 0,5. 0,064. Non. Bon, une connerie comme ça. Ouais, hein. Ouais, c'est pas tip top quoi. Après, ils ont un Magic Mush donc ça fait toujours un peu plus, mais là le était plutôt bon. Ouais, c'est ça. Et regardez, il a 27, 0,27 des dégâts supplémentaires. Je suis sûr que il peut te sortir les statistiques de pourquoi il la void, que statistiquement ça donne plus de dégâts que de le prendre, Kappa. Je pense qu'il voulait du tears up ou du speed en vrai. Voilà son tears up. Par contre, ouais. Anti en Devil Deal et Moucheron en possibilité d'Angel Room. Attends, le Devil Deal était pas super, alors ça joue Guppy certes chez Anti, ça peut marcher. Never Guppy. Never Guppy, alors moi je suis partisan de toujours partir Guppy si on peut. Oui, c'est le. Moi aussi, mais bon. Parce que nous avons encore la foi, Pingouin, c'est pour ça. Oui. Après, évidemment, si je le vois à Wombin, je fais bon, tant pis. Hein. Locked with Tail, yeah. Eh oui. That's because he believes in Guppy. Mais peut-être que les Angel Room vont pas proc en bronze. Peut-être, on verra. C'est jamais très clair de toute façon. Non, les Angel Room, quand t'en as besoin, elles viennent pas, puis quand t'en as pas besoin, elles viennent. Attendez, Anti vient de faire un truc, et Moucheron aussi, que j'ai jamais vu de ma vie. Quoi, pousser la bombe. Pour mettre une bombe dans la bouche du boss. Ah oui. D'accord. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. ça fait un bail concert. Oui, j'avais un bail concert, t'inquiète pas. Et voilà. Alors, Anti, Lil Brim, Sagdag et Moucheron, Angel Room. Quoi. Moucheron, ouais. Il veut pas le mind. Bon, en même temps, bah, là. Ah non, autant chercher autre chose. Ouais. C'est logique, il y a déjà le mapping. Je sais pas si je serais parti dans cette direction là, mais ça a l'air pas mal. Oui, bah d'ailleurs, il s'est planté. Bon, il va dans son item room du coup. Il est parti vers les salles spéciales, hein, ce que normalement on fait quand on a le combat. Mais c'était troll. C'est les quelques cas où c'est pas dans le bon sens, et pourtant. C'est ça, et Moucheron, lui, il a bien intuité, il est parti dans la bonne direction dès le début, et ça, c'est plutôt malin. Mais ouais, normalement, on part dans la direction des salles spéciales. Cet étage, c'est peut-être un loop. Regarde, t'as le shop en bas. Ah, c'est... non, parce non, que je suis anti, ça. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas être un loop. Ah, par contre, gros avantage anti quand même avec la sac d'ag. Et puis là, il commence à avoir beaucoup d'items de Devil Deal donc. Ouais. Bah, il y a plus de dégâts proportionnellement au nombre d'items, il y a plus de dégâts dans le Devil Deal, hein, on sait. Hein. Donc, c'est quand même. Tu as des items très craqué dans l'Angel Room, mais il y en a aussi des très merdiques qui servent absolument à rien, quoi. Breath of Life. Par exemple. Le Scroll of the Dead Sea. Holy Water. Oh là là. C'est beau. The Soul. Ah non, non. The Body. J'ai confondu. Mais, ah, c'est body, oui, bon. Mais pareil. Oh, c'est des items défensifs, c'est tout. Je pense que quand t'es en streak, t'es content de l'avoir, The Body. Alors qu'en Breath of Life, même les streakers, ils l'utilisent pas. Ah, ils prennent le pauvre call, ils décident de pas le roll. Ok. Je sais pas. Pourquoi pas. Je dis, je vais trouver Brim. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il pensait que ça allait bomber le marchand. On n'a pas bombé assez. En tout cas, il prend un petit peu de retard, Moucheron.
Voilà, sac d'agle, Librim qui aide aussi. C'est ça. Il a beaucoup de dégâts déjà doux. Ouais. Trouve pas grand chose. Et puis il perd du temps en combattant les anges. Là, il se retrouve avec l'ange rouge qui a max de PV, qui est chiant. Voilà, on va le dire. Il est vraiment chiant. D'art. ouais. S'il peut prendre les deux, tant mieux. Hein, parce que s'il se retrouve avec Godet Sacré d'Art qui doit choisir entre les deux, c'est triste. Qu'est-ce que vous choisirez? Oh là, que de la merde. Honnêtement. Le bon choix de Mouchon, parce que là c'était de la merde. Oh ouais. Mais non, mais entre Godhead et. Entre Godhead et Sacred Heart ? Godhead, personnellement. Merci, Serviette, ouais. Pour le follow. Ouais, honnêtement, je prendrais Godhead pour l'aura. C'est ça. Le damage up est vachement moins important sur Godhead que sur Sacred Heart, mais il y a quand même une aura qui est intéressante, quoi. En plus, t'as un petit Tears Down, je sais plus s'il le fait. Ah, un petit jeu d'Shadow pour Anti. Voilà. Prends un peu de temps sur Spinner et Polar, mais c'est quand même carrément rentable. Son build commence à être vraiment bon là. Ça va être compliqué de rattraper. 24 de dégâts. Et voilà, ouais. Ça fait du bien. And yeah, I think so too. That fighting angels is something that loses a lot of time for Moucheron. Oui, mais après, je pense que là, Moucheron, il fait vraiment le choix d'avoir un build meilleur. Bon, du coup, ça a pas du tout payé, mais... Ouais, c'est ça le truc, c'est que encore quand ça te donne quelque chose, mais là, c'est bien rien de donné, quoi. Donc, en cité, moi, j'aurais tendance à roll les deux items qui sont dans la pièce, et puis le troisième, tant pis, hein. Parce que là, après, je sais pas s'il snipe ou pas, je sais pas si c'est... De qui snipe. Ah, mais avec la co qui là, ouais, non, je pense pas. Moucheron, honnêtement, s'il snipe, sa co est en PLS. Ouais, c'est vrai. Il a tenté une fois son stream et avait un bitrate de 10. Donc... Ouais, voilà, c'était vraiment post-buffer, quoi. D'accord, non, c'est problématique. C'est ouais, donc non. Puis je vois personne parler dans son chat, donc. Ah, parce que j'allais dire. Bah non, est-ce que les gens ont parié sur Anti, je pense. Les gens viennent pas l'aider. Oh là là, quand même. Oh, mais non. Moi j'ai parié sur. Moi j'ai parié sur Moucheron, mais je caste, donc je peux pas trop m'en occuper. Ah, moi non plus. Hein. On est censé être impartial quand on caste. Ah, moi je suis impartial, moi. Je prends juste à ma thune virtuelle. Sérieusement. Et beaucoup arm, bon. Ouais, beaucoup arm, sympa, ouais. Ah, il a le temps de le prendre en fait, hein, c'est pour ça surtout. Parce que là à la fin ça aurait pas été tellement rentable, mais vu qu'il a le temps d'y aller. Après, ce qui va être bien normalement pour Anti, c'est que. Vu qu'il a veuille de le Book of Secrets, même si là il va pas pouvoir l'utiliser en début de chest, ça va pouvoir l'aider. Oui, certainement, ouais. Et Mouchon, c'est la même erreur de mapping, donc effectivement il a pas vu. Ça prend Eve's Mascara et on se retrouve avec 49,85 de dégâts, oui madame. Oui madame, voulez-vous plus? Je dis plus. C'est plus. Prenez mes dégâts, c'est des bons dégâts, ils sont frais, ils sortent de la mer, prenez mes dégâts. Anti devrait faire comme t'as fait Pingouin, prendre sa grève CL Altar et honnêtement c'était un coup de génie ça. J'avoue. Je me suis dit de toute façon Librim il sert plus à rien, je le joue mal, vas-y bim je gère. T'as un peu posé les balls quand même, ouais, hein. Voilà. ça aurait pu te donner de la merde. Ah, un petit D4, un petit coup de D4. Ah il va le faire que à la fin. Bien sûr, un petit coup de D4, évidemment. Un petit peu. Pour la fin. Allez. Ah là, ces dégâts sont moins bons quand même, hein. Ah oui, bon, il aurait eu le temps de le faire. Et ouais, c'est Anti 2-0. 2-0. Première balle de match pour Anti. Alors, troisième perso. Ah, et puis c'était la mort du côté de Moucheron. Je crois qu'il a rien eu cette run, hein. Donc, The Lust. Partir avec les Angel Room, ça a pas été. Yeah. BM. That's Anti. You can't ask him not to BM, actually, I think. Bon, après, là, c'est pour rigoler. Oui.
Oh, il rigole, bon, il rigole, bon enfant. Non, 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 c'est pas méchant. Enfin, Anti, c'est quelqu'un de profondément sympathique et il y a vraiment pas de mal, quoi. Parfois, ça se voit que bon, c'est vraiment pour troller, mais là, là. On en connaît qui slow play comme des abrutis dès que la personne en face est décédée ou est trop en retard. On en connaît. Jean Zamiel. Déjà, Lui, le mec est en retard et en plus il termine ses runs en retard. Ah non, mais il PM complet. Quand en face ça meurt ou c'est en retard ou quelque chose comme ça, il farm, il fait le con. Alors que tu pourrais te dire, bon, allez quand même, allez, vas-y, finis ta run, qu'on passe à autre chose. J'adore le trinket qui sert à rien. Bon, c'est pas handicapant. Donc why not? Oh putain, j'ai zéro décalage. Voilà, c'est quand même mieux que tu tapais un worm à la con. Genre quand je dis zéro décalage, c'est à la frame près. Voilà. Ah, faut que je fasse un cosplay alors. C'est beau. Alors moi j'ai refresh les deux. Alors IPKAC contre Dead Touch. Enfin Death Touch. IPKAC avec The Lost. Moucheron qui a pris le Death Touch alors que c'est vraiment le starter qu'il aime le moins, je crois. À un moment, il en parlait même en disant que c'était un non-starter. Et Anti qui essaye de le more options. Pourquoi pas? Et pendant ce temps-là... C'est vrai qu'ils ont Mister Me. Ouais. Moucheron, ça sert plutôt pour... Ah, Mister Me, pardon. Se barrer des salles chiantes. Oui. Qu'est-ce qu'il veut faire, Moucheron? Les deux sont une bonne stratégie, hein. Évidemment, Moucheron, s'il voit un truc dans un shop, il voudra aussi. Ah, il veut la salle secrète, il veut la super. Ouh, Pyromaniac, quand t'es avec The Lost, c'est sympa, au moins t'es protégé des explosions, c'est déjà pas mal. Mmh. Évidemment, ça ferait plaisir à Anti. Ouais. Mais c'est pas du bon coup. Ouais. Là, par exemple, il l'ouvre complètement. Alors, je pense que ça aurait pris autant de temps que de clean, mais bon. Ouais. Alors, Spectral avec IPKAC, hein. On a vu ce que ça a donné au dernier match. Après, c'est Anti. Je pense qu'il a l'habitude de gérer le spectral avec IPKAC. Mais voilà, ça peut être. C'est pas forcément le meilleur starter quand on a The Lost en fait. Ah ouais. Jarfly. Fly Jar. Jarflies. Ouais, Jarfly, oui. Ouais, là, il n'arrive pas à bomber, il s'est fait toucher en plus, donc il faut qu'il fasse gaffe aux araignées qui se fassent pas retoucher. Et du coup, le fait qu'il soit obligé de jouer un peu safe, etc., pour l'instant, Moucheron est passé devant. Oui, oui. Est-ce que IPKAC, c'est la fausse bonne idée dans ce tournoi? Ce soir? Je crois que pour le coup, IPKAC avec Spectral, il faut quand même qu'on se rappelle que ouais, non, c'est pas terrible. Voilà. Hommage à Kraknos. Ouais. Ah oui, j'ai vu qu'il était parti IPKAC, j'y croyais pas. Non, mais... Voilà, après, quand t'es un vieux joueur... Ouh... Need map, you said? Alors là, il a le map. He got map. Ça change quand même pas mal la donne, hein, parce que avoir le mapping et pouvoir bomber, en théorie... En théorie Oui, en théorie, hein, parce que là, il ferait bien de clear ces salles, en fait. Hein. Ouais, pour certaines. Ah, number one, putain. Ça lui fait du bien aussi, la range, en moins. Ah oui. Là, ouais, Anti qui se met bien en place pour pouvoir faire son mapping ouais. À profusion. Et on est à 2-0, non, c'est ça? 2-0 pour Anti, oui. Ouais, donc... Pauvre Moucheron. Est-ce qu'on Go va... Moucheron. Go Moucheron. Histoire d'avoir un match assez serré quand même. Oui. Ah, il se débrouille bien Moucheron. Hein. Là, il débrouille très bien. Pour le coup, son build est vraiment pas mal du tout. Hein. J'adore. Oh, sale chiante. Ah bah Moucheron utilise son activable. Oui. J'ai l'impression qu'il s'en sert que pour ça d'ailleurs. Hein. Oui. Oui. Bah oui, en fait, oui, le truc c'est que j'ai l'impression qu'il passe pas devant les shops, trucs comme ça parce que. Bah, c'est-à-dire qu'avec The Lost, les objets de Devil Deal sont gratos, donc tu vas pas t'en servir pour ça. Ouais, ça. Et du coup, c'est logique de s'en servir pour sortir des salles chiantes, quoi. T'as un Moucheron qui est chaud sur les secret rooms, là. Il a un truc pour les repérer, il a pas le...
Non, il a l'habitude. Et que, mais... en fait, il y a certaines salles qui, justement, sont assez faciles à repérer pour les... justement, les Angel... Ah, pour les secrètes. C'est-à-dire que, en fait, c'est, tu remarqueras, c'est souvent les gens qui ont fait du streak. Alors, je sais pas si Moucheron il a fait du streak, mais je sais que Red, par exemple, il a jamais eu autant de facilité à trouver les salles secrètes et les salles super secrètes que à partir du moment où il a fait du streak, parce qu'en fait, tu regardes la map et quand t'as vraiment l'habitude et que t'en as vu beaucoup, bah tu sais tout de suite où aller. Alors, ne me demande pas la technique secrète, hein, j'ai pas fait de streak, je me ferais beaucoup trop chier. Mais en gros, pour résumer, c'est qu'en fait, comme je disais, en fait, il y a certaines salles qui justement vont beaucoup se ressembler par rapport aux secrètes. Genre qui vont avoir la même configuration pour trouver la secret room. Et pareil pour les super secrètes, ça va avoir justement certaines salles vont parfois être réutilisées plusieurs fois, soit dans une même run, soit au cours de différentes runs. Et justement, à force d'avoir l'habitude de les repérer, genre les secrètes, ça va être assez facile parce que. Est-ce que voilà, c'est. Ah, mais il a le Spelunker Hat! Il a le Spelunker Hat! Qui ça? Oui, ils ont le Spelunker Hat en fait. Oh là là. Oh, mais on parle depuis tout à l'heure alors qu'ils ont. Ça triche. Et d'ailleurs, on parle et pendant ce temps aussi, il a skippé un étage. Merci, Jogama. J'avais même pas remarqué qu'il était. Ah, bien vu! Oh là là! Ouh! Ah, par contre, Moucheron avait quand même hésité entre Locus of Pestilence et Curve Urn. Ouais. En fait, il a vu son Locus, il a fait ah, je me casse. Et après, il a vu qu'il y avait un Urn qui avait reproc dans la salle d'avant. Il était bon. Ouais. Ça tente pas Guppy chez Moucheron? Non. Oh la TP bleue, par contre. Oh la TP. Oh la TP. Hommage à toi. Yes! Pretty garbage run. Je sais pas du tout si au chest il va pas avoir des soucis anti. Hein. Il fait que c'est lent au chest qu'on a rien d'autre. Ouais. Et honnêtement, genre pour anti un locus, ça l'aura fait plaisir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a. Moucheron, tu tapais deux blots. Oh là là. Combien deux? Deux blots. Il a eu un blot de vert et là il a un blot de blanc. Ah bah ouais. Ouais, mais c'est bien parce qu'en face il y a Matriarque. Ah oui, Wikipédia, c'est pas la joie. Ça va. Il s'en est très très bien sorti, c'est anti. Il s'est pas fait toucher une fois. Nickel. Ou le C26 qui est pris chez Moucheron, je crois. Bah, il a Pyromaniac. Ah oui, c'est vrai, il s'en fout. Il s'en fout. Oui, il a Pyromaniac, et franchement, les mouches de War sont celles qui font le plus de mal. Juste, ça fait juste, super mal. Juste sur l'explosion. Parce que si ouais. On compte pas War, c'est Locus of Conquest. Oui, mais. Oh, non, j'ai une bêtise. Locus of Conquest. C'est Death. Locus of Conquest, c'est, la mouche, enfin, c'est le locus qui fait proc le plus de mouches. Oui. C'est le blanc. C'est le blanc. Ouais, oui, mais les mouches qui font en elles-mêmes le plus de dégâts, c'est les mouches de Death, je crois, puisque c'est ce qu'elles font. Et après, sur l'explosion, c'est le. Bah oui, l'explosion, bah oui, ça c'est normal. C'est War. Mais elles font super mal. Et pendant ce et Moucheron qui repasse devant grâce voilà. À sa TP. Qu'il a bien aidé pour l'instant. Ouais, et puis il galère avec son IPK. Que, pauvre anti, là, il a que dalle. Hein. Il arrive pas à bomber ses portes. Et il tourne dans ses salles jusqu'à ce que. Voilà. Il finit par choisir de les clear parce qu'il peut pas bomber. Enfin, IPK avec. Avec The Lost ou même avec du Spectral. Avec The Lost, c'est tellement relou. Oh là. Tu vois, il est en PLS chez moi. Il n'arrive pas à bomber. Moi, Moucheron, ça va hein, en termes de stream. Non, ça va. Et Moucheron, il avance bien, il a un bon build. Alors, il n'a pas non plus masse de dégâts. Hein. On a l'impression parce que les fosses sont quand même assez grosses, mais. Il y a le multidimensionnel baby qui fait quand même le taf. C'est ça. Ouais, heureusement qu'il est là. Mais voilà, de base, il a pas non plus énormément de dégâts. Mais il s'en sort bien. La cathédrale a l'air relativement courte. J'ai l'impression qu'il a bombé pas mal de portes. Il a pas mal bombé, ouais.
Ah, le Book of Secrets, ça c'est cool. Ouais, ouais, il va pouvoir prendre les deux, Secret, TP, c'est bien. Non, il garde son dé, ok. Ouais. Oh, une fois que tu la proc une fois, tu peux te barrer. Hein. J'adore l'appel à Womb 2, un classique. Ouais. La meilleure pelle. Alors, je sais pas, il a l'air d'avoir skip une grande salle qui était potentiellement très chiante. Ouais, 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 il a skip une grande salle. Ouais. Ça a l'air d'être parti dans la bonne direction pour Mouchon. Hein. Ouais, d'ailleurs, il arrête d'utiliser ses TP. Ouais. Ce qui est normal. Parce qu'il a pas envie de se retrouver dans la fameuse grande salle. Oui. Yeah, sick fight against its sleeves, but I fear that Isaac is going to be a long fight for Auntie. That's going to be very long. Ipecac is not a good on its own for Isaac. Et Moucheron qui est sur Blue Baby. Ça là là. Je pense que on va avoir droit à un point pour Moucheron. Et oui. Sur la touche. Bon, il joue safe du coup. Non, il est solide, Moucheron. Il va s'en sortir. Oui, oui, il est solide. Ouais. Et GG Moucheron. GG. Nice. Et on va avoir la première run Dark Room de la journée. Oh. Alors, déjà, le rule set. Encore du diversity. Moucheron qui content. F diversity to the dark room. Ok. To the lamb. Ah oui, merde. J'ai oublié de sélectionner le truc pour voir. Donc en gros, je vous remontre. Tac. Tac, diversity, c'était sélectionné. J'avais oublié de remettre les roues. Sorry, bon. Voilà. C'est pas perdu pour Moucheron. Bien que j'enlève. Ah, sorry, future, I forgot. Forgot ou forget? Ah, mais c'est pas tout seul! Ouais, ouais, ouais! Sympa! Je me demandais si on disait forget ou forget et tout le monde se barre! Super! Merci, Cash, pour qui? Pardon! J'ai décroché une seconde. Oh, t'as Tech X! Robin Cement! Remerciement, TechX, un petit damage up manière. Ouais, 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 ils se mettent bien. Ah, y a... Oh, tu starts the mind. Un petit the mind. Oh, ça a pas pris l'incubus. Ouais, c'est trop vite. Dommage. Ah, mais là. Là. Là, un petit se dit merde. Il a marqué un point. Je peux pas laisser faire. Magic Mush. Magic Mush sympathique. Ah, et The Mind. Ah bah voilà. Là, honnêtement, je pense qu'il y a quand même un avantage à The Mind. Hein. Même si Magic Mush est très bien. Quoi? 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 Non mais on me parle, tu sais. Ah. Moi, j'entends rien avec le casque sur les oreilles. Ouais, donc ah. On te prévient s'il se passe quelque chose. Ouais, ouais. Genre un fucking techie. Oh, le dé 1 qui est pris. Bravo. Ouais, c'est mieux que le D7. C'est mieux que l'autre D, c'est quoi, D8? Non. D7, je crois, celui-là. D7. Ah, et une pelle, c'est anti. Putain, mais la pelle m'appuie. Okay. Alors déjà, le fait de partir avec un techie, ça... Voilà. Vous pouvez dire que c'était pas à l'avantage de Moucheron, mais là, l'appel, bon, bah écoute, GG, hein. Sub 6. Yeah, sub 6, sub 7, something like that. That's, oh, oui, là. Ok, ok. GG's. Tu abandonnes gratos. Ouais, ça va être dur.
Yeah, well, when you play Isaac, you do know that RNG is something that will make a run. Voilà, oui. Or destroy a run. Là, ils auront plus de RNG pour 5 runs. Hein. Non, mais là, pour le coup. Ah, le trinket est plutôt sympathique quand t'as Succubus en plus. Ah oui. Par contre, là, je pense que Moucheron il a pas reroll le Duality. Je pense qu'il va vouloir chercher justement un game changer. Un petit homing shot. Il a pas le choix. Well, they both had it, Future. They both had deck X. So it's not as if somebody had a big starter and the other didn't. Ah oui. Mais c'est vrai que Diversity, bon, tu te dis tu vas avoir des. Eh ben non. Ah bah non, justement. Diversity, quand même, il arrive régulièrement que tu aies tout sauf des items de merde. Et puis des fois, t'es complètement trollé et t'as vraiment une run assez horrible, ouais. Je crois qu'il fait l'ange. Ouais, ça va aller vite. Après, Par contre, il a pas viré sa War Babylon. En fait, il a pris. Quand il a pris le Halo, malheureusement, ça lui a remis le. La War. Et ouais. Ça lui a enlevé la War plutôt. Ça lui a. Il a plus les dégâts et la vitesse de la War, ouais. Alors que. Anti. En moins de 4 minutes. Bah écoute, Anti, il a fait son Anti. Là, le jeu lui a donné tout ce qu'il fallait. Ah, maintenant il nous fait un petit speedrun de la S2 là, hein, tranquille. Hein. Voilà. Il a un petit sac d'ag tranquillement. C'est ça. Il a son room clear avec le tech X, il a son boss clear avec la sac d'ag, bah, puis il roule et... ma poule. Hein. Ouais. J'adore le Lion. Ouais, Landvous pour la Dark Room. Il n'y a même pas besoin. Ouais, voilà. Non, mais écoute, c'est pas overkill du tout. Non. Pendant ce temps, la Veracruz, Moucheron qui est encore, à. Qui encore... voilà. Moucheron qui est à Necro 1 2. 2 Oh là là. C'est compliqué. Hein. Bah, il a une run normale, quoi. Il fait vite. Ouais, quand il meurt, mais j'y crois pas tellement. Il fait vite, il joue bien. Non, il mourra pas. Danny Planet, non. Jacob's Ladder, wink wink, nudge nudge. Ça sert à rien, mais à mon avis, je sais pourquoi il l'a pris, Anti. Blank card. Pour être sûr d'avoir vraiment plein de cul. Blank card d'Agaz. Pour être sûr de pas crever. Comme ça, il s'en fout, il peut bourrer avec sa sac d'ag, il aura de la vie, quoi. Pas de sub 5, malheureusement, chez Anti. Ladder for the memes, yeah. What would be a no? Oh frère, ok. Non, okay, il... je pense qu'il a pas envie. Non. Il veut Blankard. Oh non. Blankard Emperor. Seriously. Ah oui, c'est vrai que The Body n'a pas été pris pour la War. Oui. Ah ben oui, bien sûr. Ah, et Moucheron s'amuse à faire le boss rush. Bah. Il a raison. Je pense qu'il voit sur son truc qu'il y a marqué quand il est à Dark Room, et là, Moucheron il se dit bon, bah. Ouais, putain, voilà. Fuck me, je fais le boss rush. Ce qui est normal. Ouais. Il a un demi-coeur, hein, mais il s'en fout. Oui, il faut autant s'amuser, quoi. Le BM, quoi. Il a utilisé sa blonde carte. Il a pas utilisé l'empereur. Mais il va utiliser l'empereur à la fin de celui-là. Ouais. Évidemment. Et après, il a utilisé Pinky Shear. Évidemment. Sérieusement. BM are real. BM are real. So troll. Well, that's empty for you. Voilà, ça c'est fait. Seriously. Ok. Il aurait pu full clear le chest quand même avant de faire ces conneries là. Non, quand même pas, sinon c'est chier après.
Ouais, c'est vrai. Et là, il est deck de pas avoir eu une deuxième charge. Genre, il aurait eu la batterie ou une connerie comme ça, il aurait fait 4 fois le boss. Je pense. Il aurait dû avoir un martyr. And before game will crash, that would be a shame, wouldn't it? GG, anti. GG, anti. Et GG à Moucheron qui s'est quand même bien battu, il lui a pris un point, et mine de rien, c'est anti en face, ça rigole pas, hein. Et voilà, c'était un très très beau match. Ouais.